témérité que vous avez. Et je peux vous dire une chose, le Seigneur Jésus est fier de vous. Amen. Au verset 18, le Seigneur Jésus pouvait dire lui-même, je voyais Satan tomber du ciel. Amen. Bien-aimés, tous les mercredis, on peut voir Satan tomber du ciel. Amen. Tous les mercredis, on peut voir le royaume de Satan tomber du ciel. Amen. Tous les mercredis, on peut voir le royaume de Jézabel tomber du ciel. Amen. Tous les mercredis, on peut voir le royaume de la reine du ciel tomber du ciel. Amen. Tous les mercredis, on peut voir les prisons de l'incrédulité se vider du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous ne savez pas combien de fois le Seigneur Jésus-Christ est heureux de savoir que tous les mercredis, indépendamment des dates où nous faisons les évangélisations, où plusieurs âmes sont libérées du joug de la malédiction Amen. Qui pesait depuis longtemps sur leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'imaginez pas combien de fois est plus grande la colère de Satan lorsque la date du mercredi arrive. C'est un peu comme le lundi arrive et le collier n'est pas content. Quand Satan sait que le mercredi arrive, il sait que plusieurs de ses lieutenants, de ses généraux, de ses colonels vont tomber. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. Je me rappelle, il y a quelques mois, on pouvait sortir d'ici, Jacques et Léa, j'en parle, on pouvait sortir d'ici vers 2h, 23h du matin. Quand on ne tardait pas, on sortait d'ici à 23h, lessivé. Et le lendemain, jeudi, il fallait encore qu'on soit sur le terrain pour évangéliser. Aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 18h moins 10. Amen. Il est 18h moins 10. On a déjà fini. C'est pourquoi je veux que tu acclames de ta vie. Tantôt que jusqu'à un passé très récent, on pouvait sortir d'ici vers 23h minimum, 2 ou 3 heures du matin, et le lendemain encore il fallait encore sur le terrain. Amen. Et on s'est dit, mais ici au réveil international, Jésus revient, plusieurs des enfants de Dieu ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On va pas les laisser comme ça. Amen. Nous savons tous que le fer aiguise le fer, et c'est pourquoi nous avons demandé de venir auprès de nous afin d'apprendre auprès de nous, mais aussi au fait de pouvoir aiguiser vos sens. Amen. Aujourd'hui, quand je vois des personnes telles que David le caméraman, amen. Quand je vois des personnes telles que David le pianiste, quand je vois des personnes telles que Pierre, quand je vois David même qui vient d'arriver fraîchement de Tunisie, amen, qui tiennent des bureaux et qui ont tous deux des serviteurs, des servantes de Dieu qui entretiennent des âmes qui, poussées par l'Esprit de Dieu, disent aux bien-aimés qui sont sous le joug de la malédiction quoi faire, comment faire. Je ne peux que dire merci au Seigneur Jésus. Amen. Je me rappelle au départ quand vous étiez là, vous étiez encore des bébés dans la foi. Mais aujourd'hui, je remarque que vous avez grandi. Je remarque que vous avez pris de l'embonpoint. Je remarque que vous avez pris du muscle spirituellement. Alléluia. Et c'est pourquoi je le dis tout de go, je suis fier de vous. Et je sais que quand j'apprécie quelque chose, derrière moi et devant moi, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Amen. Si on garde cette dynamique-là, dans 2 ans seulement, si on garde cette dynamique dans 2 ans, toute la Côte d'Ivoire sera gagnée. Amen. Si on
Garde cette dynamique. Dans 5 ans, la plupart des pays dans le monde entier seront gagnés. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'avantage que nous avons ici, c'est que le Seigneur Jésus nous permet de pouvoir dispenser tous nos dons, tous nos talents, tous nos savoirs aux jeunes talents, aux jeunes chrétiens que vous êtes. Amen. Amen. À l'époque, dans les églises dans lesquelles vous étiez, il n'y avait que le pasteur qui pouvait en griffe chasser les démons, guérir les malades, en griffe, parce qu'il n'avait même pas cette capacité, il n'avait pas cette autorité. Mais regardez aujourd'hui, quand vous faites un tour en arrière, vous voyez qu'à la vérité, ce n'était absolument rien. Et quand vous regardez, quand vous faites une introspective, vous voyez le niveau auquel le Seigneur vous a élevé par l'entremise de ses serviteurs que nous sommes. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, le don de prophétie, le don de guérison, la puissance de délivrance n'est pas l'apanage ou l'exclusivité que les hommes de Dieu, mais tous les enfants de Dieu, ayant revêtu, ayant été baptisés du Saint-Esprit, ont la capacité de guérir, de délivrer, de faire des prodiges ou des miracles dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est votre cas. Alléluia. Amen. C'est une belle chose que de combattre les démons. Amen. Amen. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de veiller sur nos âmes jusqu'à ce que la trompette sonne. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc 10, verset 19 à 20, ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Au verset 20, il va dire, cependant, ne vous réjouissez pas du fait que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Comme je le disais tantôt, le principal pour le Seigneur Jésus-Christ et pour ses serviteurs que nous sommes, c'est que demain, que nous tous, nous soyons assis avec le Seigneur Jésus sur la table des noces. Amen. Et pour cela, je nous invite à travailler encore et encore sur nous-mêmes. Amen. 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 On a déjà dépassé le premier principe du dépouillement, qui est le dépouillement du corps. Amen. Ça, c'est quelque chose de très facile à faire. Enlever les faux cheveux, ne plus mettre des produits cosmétiques, s'habiller couvert, mettre le voile quand on prie, s'habiller avec de l'âge tunique. Ça, c'est déjà gagné. Alléluia. Amen. Mais le plus gros travail qui nous reste à faire, c'est le dépouillement du cœur. Et c'est là où se trouve le bas blesse. En tant que jeunes que nous sommes, le diable connaît nos faiblesses. Le diable sait ce que nous aimions par le passé. Et il ne va pas passer par quatre chemins pour tenter de nous tenter, si je peux m'exprimer ici. Il ne va pas passer par quatre chemins pour tenter de nous éprouver. C'est quoi? La masturbation, la pornographie, les pensées impures, alléluia, la convoitise du cœur, la convoitise du regard, les calomnies, les murmures, la colère, le désir de vouloir paraître. Alléluia. Amen. Souvent même, le leadership ou la compétition. Amen. Amen. La lourdeur. Le laxisme spirituel. L'obésité spirituelle. Amen. Amen. Voici les moyens par lesquels le diable va tenter de nous ramener à notre vomi. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat perpétuel. À l'instar de chasser les démons par la puissance de Jésus, le Seigneur veut que nous chassions notre vieille nature. Amen. Alléluia. Il veut qu'on chasse de nous ce vieux moi, ce vieux levain qui à chaque fois tente de nous ramener dans notre passé. Voici le défi que nous avons, jeunes chrétiens. Voici le défi que nous avons. Nous sommes déjà dépouillés le corps. Ça, c'est déjà bon. Mais le bas blesse, ou le plus gros travail à faire, c'est de dépouiller notre cœur. C'est pourquoi je nous exhorte, je profite de cette lucarne-là pour réellement nous exhorter à travailler sur chacun de nous. Aussi, je souhaiterais que chacun de nous soit le gardien de l'âme de l'autre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Je reprends. Je souhaiterais que chacun de nous veille sur chacun de nous. Amen. Amen. Tu vois ton frère qui a une faiblesse quelque part, approche-le, parle-lui, intercède pour lui. Amen. Amen. Prie pour lui, donne-lui des conseils. Ne va pas le traiter comme un vulgaire bandit, mais intercède pour lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je répète, je souhaiterais que chacun de nous soit le gardien de l'âme de l'autre.
Que maman Déborah soit la gardienne de là, de maman Esther. Alléluia. Amen. Que ma fille Sarah soit la gardienne de l'âme de Anne. Qu'Esther de Yahou soit la gardienne de l'âme, je ne sais pas moi, de Déborah. Amen. Amen. Que David soit le gardien de l'âme de Pierre. Que Paul Adai soit le gardien de l'âme de Gédéon. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Nous sommes une famille. Amen. Et une famille, ça s'entraide. Une famille, ça se soutient. Une famille, ça se protège. Une famille, ça prie pour les membres de sa famille. Amen. Amen. Alléluia. On ne les rejette pas. On les protège. On veille sur eux. Amen. Amen. Voyez-nous comme des pères dans la foi. Voyez-nous comme des, vos mères dans la foi. Amen. Vous qui êtes jeunes, qui traversez beaucoup de difficultés, qui connaissez beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, quand vous voyez que ça vous dépasse, approchez l'un d'entre nous et parlez-nous, parlez-nous. Ne nous cachez pas vos faiblesses. Pour qu'à la fin, ça devienne un scandale. Et qu'on dise, ah, si on ne savait pas qu'il avait une double vie. Si vous voyez que les épreuves sont très fortes, ou trop fortes, approchez les hommes de Dieu ou les mamans, vos mamans dans la foi. Ah, j'ai telle faiblesse ici, hein. Homme de Dieu, papa, j'ai tel souci. Soutenez-moi. Ne vous cachez rien. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaiterais aussi, comme nous sommes une famille, qu'il y ait le respect au milieu de nous. Qu'il y ait le partage au milieu de nous. Qu'il y ait l'unité au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il faut que ces fondements-là, pardon, il faut que ces caractères-là soient le fondement de nos rapports. L'amour vis-à-vis des uns des autres. Amen. Le partage vis-à-vis des uns des autres. Si tu as une chemise en plus, que tu vois que David n'en a pas, ou bien moi, j'en ai pas, offre-lui la chemise et fais-le discrètement. Si tu vois que tu as une robe en plus et que ma fille n'a pas suffisamment de robe, fais-le discrètement. Alléluia. Amen. Vous savez que les deux lois qui forment toute la parole de Dieu, c'est l'amour que nous devons avoir pour Christ au travers de la mise en pratique de sa parole et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Amen. Si vous atteignez ce niveau de dimension spirituelle, vous allez voir que vous n'allez plus pouvoir faiblir. Amen. Alléluia. Si tu vois un défaut chez quelqu'un, prie pour lui, intercède pour lui, va vers lui discrètement et parle lui. Vous aussi, si vous avez des faiblesses, qu'un bien-aimé vous approche, humblement acceptez, hein, d'être corrigé. Amen. Sachez que nous tous, même moi-même, nous sommes venus pour apprendre. Amen. Celui qui nous corrige, le correcteur par excellence, c'est Jésus. Nous-mêmes, on n'a pas fini d'apprendre. Alléluia. Nous tous, on cherche à aller au ciel. Donc, nul parmi nous n'est parfait. Amen. C'est pourquoi je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, que chacun de nous soit le miroir de chacun de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Au-delà de cela, si vous voyez que vous avez des péchés qui vous affaiblissent, qui vous tirent vers le bas, approchez-nous. Même s'il faut que discrètement, vous mettiez un programme de jeûne et prier pour vous, on le fera. Mais ne gardez pas ces péchés-là par devant vous. Si vous le gardez, nous savons tous que chaque péché représente un démon. Amen. Alléluia. Amen. La calomnie, c'est un démon. L'impudicité, c'est un démon. La pornographie, c'est un démon. Alléluia. Amen. La nudité, c'est un démon. Et leur seul but, c'est à la fin de notre vie. Mais qu'est-ce que je dis à la fin? Parce que c'est eux qui vont écouter notre vie si on continue de traiter avec eux. Ce sera de saisir notre âme et de les jeter en enfer. En disant, mais quand tu étais vivant, tu nous combattais, non? Mais tu avais oublié que tu avais un péché qui te dominait. On a tout fait pour que ce péché-là finisse par moissonner ton âme. Amen. C'est pourquoi je souhaiterais que chacun de nous soit transparent vis-à-vis de Dieu. En tout cas, faites l'effort. Faites l'effort. Et si vous voyez que c'est difficile, approchez-nous. Ou demandez l'assistance du Saint-Esprit. Mais ne gardez pas votre péché comme si c'était un péché mignon. Parce que chaque péché a un but ultime, conduit ceux-là même qui traite avec eux en enfer. Alléluia. Amen. Amen. Sur ce, on va passer au rapport. Ceux qui avaient dirigé les différents bureaux. Jacques. Bon. D'accord. David, je pense que tu avais les bureaux de docteur. Le rapport. Pratiquement, moi, j'ai travaillé dans deux bureaux, d'accord. Là-bas, bon, vous ne le connaissez pas, c'est David, il vient de la Tunisie. Il est venu pour m'apprendre et pour servir Dieu auprès de moi, jusqu'à ce que le Seigneur le ramène en Tunisie. Là-bas, j'ai traité deux camps.
Ça peut être bien maintenant. Amen. En tout cas, ça s'est bien passé. Alléluia. Ça s'est bien passé. Et il y avait une autre personne qui joue le tour. Il y a une maman qui joue le tour. Elle avait le numéro de l'auto. Hein. Au sortir d'ici, elle allait continuer de jouer au loto. C'est là-bas, c'est deux façons. Je pense que je n'ai pas traité. Hein. D'accord, ok. D'accord, qui tenait le bureau de la Cotonac? C'est moi. Il y a eu une situation. Donc, là-bas, on a eu 7 cas et 4 entretiens. 7 cas et 4 entretiens. D'accord. Comment ça s'est terminé? Bon, ça s'est super bien passé. Baptême du Saint-Esprit, guérison, délivrance. Oui, oui, oui. D'accord. Géraud. Le vrai chaudron. Toi, tu as la chaudière des chaudières. Le chaudron, il y avait déjà des éléments là-bas. Ouais. Moi, j'étais sur la maman. La maman? Oui. Maman, vous avez changé son nom? Hein? Vous avez changé son nom? Vous n'avez pas demandé au Seigneur de changer son nom? Oui. Bon, dans les eaux du baptême, le temps que sa délivrance soit achevée. Ouais, quand même. Pasteur Jacques. Ça, c'est ton dossier, hein. Quand ils vont finir, tu vas la prendre en entretien. Elle a fait beaucoup de révélations. Elle est terrienne. Elle est terrienne dans le domaine des sciences occultes de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Elle est terrienne. Avant-hier, elle est venue dans mon bureau. Elle m'a dit, homme de Dieu, je suis fatigué de pratiquer la sorcellerie. J'ai détruit des vies. J'ai même détruit des églises. J'ai même détruit la vie de plusieurs pasteurs. Je suis arrivé à ce stade de ma vie où je suis fatigué de faire le mal. Je suis fatigué de servir Satan. Et je suis venu vous rencontrer pour que vous priez le Seigneur Jésus afin qu'il me délivre. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le mercredi, on aura un entretien. Et s'il faut, on va prier pour elle. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Et je crois que les hommes de Dieu, dans le bureau de David, c'est ça, avaient déjà commencé. Depuis hier, mais ça a commencé. Hier, pendant les prières nocturnes, il y a des esprits qui sont sortis d'elle. Cet après-midi aussi, beaucoup d'esprits, hein. Bon, ça c'est des légions, hein. Ouais. C'est des légions. D'accord, donc on va travailler de façon progressive jusqu'à ce que le Seigneur le cure. Et juste après, on va la faire passer par les eaux du baptême. Amen. Donc, pasteur Jacques, quand le Seigneur Jésus aura achevé sa délivrance, elle sera passée par les eaux du baptême. Quand elle aura reçu le baptême du Saint-Esprit, vous la prenez en interview. En tout cas, c'est une bibliothèque ténébreuse qu'elle tient. Et je pense que par cette interview-là, elle va livrer Satan. Elle va exposer Satan et son royaume. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, énormément. On a passé peut-être 20 minutes dans mon bureau. Je vous assure, j'avais l'impression de regarder un film d'horreur. Oui, comme dans les films d'horreur. Quand elle vous explique la façon dont elle a fait les choses, tu tombes des nues. Amen. Je pense qu'elle-même, la prochaine fois qu'on ira en masse évangéliser, elle-même va donner son témoignage. Comment elle arrive à détruire la vie des gens par les mèches, par les bracelets, par les bagues de mariage, et par beaucoup de choses que les gens portent sans savoir que ça appartient au monde des ténèbres. Et elle, comme elle est bien placée, puisqu'elle était à un niveau assez élevé dans le monde occulte, elle sera très bien placée pour parler. Parce que nous, souvent, quand on parle, on dit, nous, on est trop spirituel. Ceux-là même qui sont à la base de ces choses-là, quand elle va dire aux gens, je pense que assurément par sa voix, plusieurs seront touchés, ils vont commencer à se dépouiller et à donner leur vie au Seigneur Jésus. Donc Jacques, ça c'est ton dossier en interview juste à la fin. Amen. Oui. Tu es là-bas, bon, ça s'est bien passé. Amen. Voilà, tout s'est bien passé. Bon, en tout cas, quand moi je suis venu, le bureau était déjà, chaque bureau était déjà occupé. Et il y a des personnes qui étaient en bas à la réception.
Donc, une petite exhortation, un enseignement, et puis un fighting, et puis, on démarre encore plus, on a smashé dans le bureau. Alléluia. Amen. Donc, Pierre m'avait appelé pour signifier que tous les bureaux étaient, à un moment, étaient condamnés, et qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas entrer. C'est ça. Et on a compris qu'en fait, elle et puis j'en parle, c'était les démons. Qui travaillent avec elle pour tenter de créer ce trouble-là. Amen. Et je demande à ce qu'on évoque le sang de Jésus sur les portes, afin que les portes se débloquent. C'est ce qui s'est passé. Tout forcé. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, on a un gros travail à faire avec maman Marjane. Je sais que le Seigneur va le faire pour nous. Alléluia. C'est tout. Malheureusement, à votre chambre. À ton niveau, je pense à mon niveau. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà du feu partout. Mais après un moment, il y a eu, si je n'ai pas appelé ça, une petite distraction. Et le Seigneur est passé par la soeur Esther, c'est pas celle-là. Le Seigneur est passé par la soeur Esther pour, en fait, avant que le Seigneur ne passe par elle, il y avait un ressenti en moi, il y avait un esprit, un léger, un esprit de distraction qui planait. Et le Seigneur a confirmé ça par elle. Et je passais dans chaque bureau pour interpeller chacun pour qu'on soit encore galvanisé, pour mettre un plus de feu. Dès qu'on a commencé, c'est là que les choses ont dans tous les sens. Amen. C'est le lieu de rappeler, mes bien-aimés, que lorsque vous venez à la chaudière, on souhaiterait que vous soyez concentrés. Quand on vous confie des hommes de Dieu, demeurez sur leur tutelle. Et écoutez les instructions qu'ils vous donneront. Parce qu'à la moindre distraction, vous pouvez prendre un démon. Vous n'imaginez pas les milliers de démons qui sortent d'ici pendant le combat spirituel. Évidemment, si un d'entre vous, pendant que le combat est en train d'être fait, s'amuse, enregistre son téléphone, raconte une blague, se balade, sans raison balade, vous allez prendre des démons. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorterai à rester réel, à rester véritablement concentré. Pendant qu'on le combat, ce qui se passe ici, vous ne comprenez pas. Vous voyez ça comme quand on est en guerre, comme une guerre physique entre deux nations. Amen. Un déserteur, pendant que la guerre a lieu, s'il fuit le combat, qu'est-ce qui peut se passer? Il va prendre une balle dans son dos, dans ses fesses, dans ses jambes. Amen. Oui, ça arrive. Les soldats qui fuient le combat, pendant qu'ils fuient, ils peuvent prendre une balle. Et pour éviter de prendre une balle, ici ce n'est pas une balle physique, mais c'est un démon. Ils sont plus dangereux même qu'une balle. Donc soyez concentrés. Les coups de fil intempestifs, souvent on est assis là, et puis tu vois quelqu'un qui vient, il rentre, il regarde. Bon, c'est pas ce que vous cherchez, et puis après le repas. Il va encore entrer dans un autre bureau, il regarde. On ne sait pas ce que vous cherchez. Restez concentrés pendant les périodes de combat. Si on vous a signé un bureau, restez dans votre bureau. Si vous devez bouger, il faut que ce soit pour un besoin bien précis. Mais si c'est juste pour vous affairer, hein, souvent on voit quand le Saint-Esprit parle quelque part, tout le monde, on va voir peut-être que le Saint-Esprit a un message pour moi. Mais est-ce que le Saint-Esprit a un message pour toi? Il a plusieurs canaux par lesquels il va te parler. Et si le Saint-Esprit a un message pour toi, il va dire, appelez tel de mon serviteur, appelez tel de ma servante. Amen. Et puis ce n'est pas ici seulement, même à l'église, souvent pendant les fightings, le Saint-Esprit est en train de se manifester quelque part. Tous les appelés vont venir. Chacun a son téléphone. Ah, peut-être que Dieu m'avait dit quelque chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Reste à vos postes. Alléluia. Reste à vos postes et travaillez. Amen. Le combat spirituel, ce n'est pas du spectacle. Et qu'est-ce que vous n'avez jamais vu dans le combat spirituel? Amen. Donc, je vous en prie, restez concentrés pendant le combat spirituel. Vous n'êtes pas irrité le Saint-Esprit. Et surtout, vous n'êtes pas prendre des démons. Alléluia. Ok, on a un autre rapport dans le bureau, le cinquième bureau. C'était le bureau de Paul et de Jacques, non? Mais c'était le bureau de... Oui. Vas-y. Je mets d'abord un grâce à Dieu. Parce que par sa puissance, tout s'est bien passé. Amen. Il a déroulé. On a eu jusqu'à 3-4 mais j'ai commencé ici et puis je suis allé de l'autre côté. D'accord. Et tout s'est bien passé jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il n'y a pas eu de cas difficiles. Pas du tout, c'est bon. Bon, le cas qui était un peu difficile, c'est que ce dernier, lors de la délivrance, il était obligé d'aller au besoin. Voilà, c'était la marche de la délivrance. Il est remonté après? Oui, il est remonté après, quand il a eu le baptême, tout ça. Super. Il est là,
est là. Il est parti. Je ne vais pas dire son nom comme on est en direct. Mais c'est quelqu'un qui est venu nous voir le mercredi dernier, qui a signé un pacte avec Satan. Amen. Pour devenir multimilliardaire. Alléluia. Et malheureusement, Satan l'a doublé. Le pacte a été signé, mais Satan lui a volé son âme et lui a donné plusieurs maladies. Et il n'a pas respecté la contrepartie du contrat. Et donc, depuis quelques années, il était mourant. Il était en train de mourir. Et Satan lui avait donné un fort esprit d'impudicité et de débauche, aussi de prostitution. Et donc, le mercredi dernier, il est venu ici nous voir. Juste pendant l'échange, l'esprit de Satan commençait à se manifester. Nous avons prié pour lui. Il y a eu un devenu de délivrance. Et on l'avait mis sous 7 jours de jeûne sec. C'est ainsi qu'il est venu ce mercredi-là. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur qui l'a délivré, qui lui a aussi accordé la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, il voulait fuir. Ah, ce matin, il voulait fuir. L'esprit voulait le faire fuir. Ah, l'esprit voulait le faire fuir, hein. C'est pas possible. Donc, comme quand vous et puis David, on a commencé à faire la prière là-bas, juste après la prière nette, il dit on a qu'à m'appeler. Donc, je l'ai retrouvé dans l'esprit, il partait même. Il dit non, okay, il est tout fait. Il dit non, que ça c'est le démon qui est en train de faire. Parfait. Et puis il a prié pour lui dire que le Seigneur le fortifie. Et puis juste après, il est remonté. Alléluia. Et la force. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Question, quelqu'un a des préoccupations relatives à tout ce moment de prière de combat. Oui, vas-y Abigail. Je voulais partager quelque chose que j'ai expérimenté. Par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois sur l'amour, que l'amour affaiblissait les démons. Je l'ai expérimenté aujourd'hui. Allez, j'ai constaté que c'est vraiment. Amen. En fait, c'est ce que l'on a fait sur le monsieur. Et ça a peu lâché. Alléluia. Et les esprits ont commencé à sortir de lui. Amen. Dans la délivrance, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la délivrance, le Seigneur Jésus nous a enseigné que. Pasteur Jacques, que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus nous a enseigné dans la délivrance que lorsqu'on tombe sur des esprits coriaces, tels que l'esprit de Léviathan, de Bémoth, tel que l'esprit de Jézabel, ou même Lucifer lui-même, ce que vous faites, vous prenez la personne qui est possédée par ces démons-là. Et faites-lui des câlins et dites tout simplement, je t'aime de l'amour de Jésus. Insistez, vous allez voir. Les démons coriaces ne supportent pas l'amour de Jésus. Les démons coriaces ne supportent pas. Lorsque vous donnez de l'amour aux personnes qu'ils possèdent, vous allez voir, en quelques minutes seulement, les esprits ont fini par lâcher leur proie et s'enfuir. Amen, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'ici aussi, on a vécu la même chose, non? On a vécu la même chose dans ce bureau-là. Je ne sais pas. C'était avec toi. On est avec une dame, la Ruth, qui écoutait, voilà, et Rebecca. C'est l'autre bien-aimé rue de genoux là qui est arrivé. Il avait l'esprit de Lucifer dans sa vie. Et puis le Seigneur nous a inspiré. Elle l'a pris dans ses bras. En quelques minutes, elle a reçu sa délivrance. Alléluia. Amen. D'accord. Une autre préoccupation, quelqu'un veut dire quelque chose. Amen. Amen. Comme Dieu a parlé de cela, la répétition est pédagogique. Il faut répéter cela. Lorsque nous venons à la délivrance, soyez concentrés. Alléluia. Soyez concentrés, surtout les sœurs. Surtout les sœurs, chez les jeunes frères, chez les frères, on ne remarque plus cela. Mais le pouvoir, les allées, les déplacements ne sont pas. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur ne veut pas des déplacements inutiles. Notre Seigneur, c'est un peu d'ordre. Et non un peu de désordre. Lorsque vous êtes dans un bureau, concentrez-vous dans le bureau. Alléluia. Et désormais, il faudrait qu'on s'organise de sorte que. Quand vous voulez prendre de l'eau, celle qui a la réception, celle qui se charge de nommer les noms ou bien d'appeler les personnes, celle-là va se charger de distribuer l'eau dans les différentes salles. Parce que souvent, aujourd'hui, j'ai apprécié, les bien-aimés ont fermé leur bureau même, on n'aime pas même qu'on les dérange. Alléluia. Parce que les déplacements distraient. Les déplacements, ça distrait, ça déconcentre. Même ceux qui sont à l'exhortation, les défilés de mode, souvent, la bien-aimée descend. Un coup, elle remonte, elle descend, où les bien-aimés ont fléchi genoux, sont en train de prier, se confesser, tu viens toucher son pied, mais il va plus se concentrer et tu ne vas pas faire la repentance sincèrement. Vous comprenez? Donc, si vous devez aller aux toilettes, quand on vient avant l'heure, faites tous vos bobos et lorsqu'on rentre dans le bureau que le travail commence, concentrez-vous sur le travail. Une fois que le travail finit, vous avez le temps maintenant de faire ce qu'il y a à faire. Causerie, évitez cela. Manipulation de téléphone, évitez cela. Jean, je te dis ça. Manipulation de téléphone, ce n'est pas le moment de manipuler WhatsApp,
ou de manipuler, pour aller voir comme j'ai reçu combien de messages ou qu'on sort. C'est le moment de chercher les passages bibliques pour aller en guerre, parce que ce sont les âmes. Toute la Bible, ce sont les âmes. Il faut citer un passage biblique, le démon est obligé de se boucher les oreilles. C'est là en ce moment vous utilisez toutes les âmes qu'il faut pour pouvoir combattre contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Puisque le prophète Pierre est là, je vais profiter en même temps, comme les hommes de Dieu sont là. Je disais au prophète Pierre cet après-midi-là que maintenant, chaque soir, il va choisir, selon les semaines, deux hommes, deux appelés parmi vous qui vont venir diriger les cultes des soirs, c'est-à-dire entre minuit et 4 du matin ou 4 du matin et 6 heures. Amen. Ce sera pour entretenir les brebis du Seigneur qui viennent de partout, qui sont à l'église. Amen. Parce qu'il n'est pas bon qu'on les laisse comme ça et qu'on les laisse dormir. Ils ne sont pas venus dormir, ils sont venus pour chercher Christ, pour chercher la face de Dieu. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc maintenant, tu vas faire un programme hebdomadaire. Donc chaque semaine, de façon rotative, tu vas choisir, on a entré une semaine composée de 7 jours. Donc tu vas choisir 14 personnes. Ou bien tu peux choisir peut-être 6 ou 7 ou 8, une dizaine. Et puis, ils se prennent deux par soi. Et donc, ils vont venir entretenir les brebis par des enseignements, par des prières de nuit. Ça peut commencer à minuit, ça finit à 4 heures, ou ça commence à 4 heures, ça finit à 6 heures. Et puis après, ça fait, il commence à midi. Il commence à midi, il finit à 14 heures. Alléluia, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour que vraiment, tous ceux qui viennent ne passent pas leur temps à flâner, à murmurer, à manger, à s'empiffrer, à dormir. Hein? Voilà, donc ça, c'est ta tâche. Tu prends quelqu'un, le pasteur d'aller là, il va t'assister. Et les hommes de Dieu, c'est pas seulement que les hommes de Dieu de Bassam, hein? C'est de toute la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de tous les appelés. Ça va vous permettre, vous aussi, de vous frotter au combat spirituel et puis de voir à quel niveau spirituel vous êtes. Amen. Puisque bientôt, plusieurs d'entre vous vont être établis sur les cellules, sur les églises. Et donc, ce sera le mieux pour vous de vous armer, de vous former, de vous préparer. Amen. Hier, on l'a fait avec, avec l'évangéliste Paul et avec le prophète Moïse, il est déjà rodé. Mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai vu un peu le feeling et tout ça. Donc, on va rééditer ça. On va réitérer ça, pardon. Amen. Et donc, chaque semaine, voilà, vous appelez tel homme de Dieu ou tel appelé de tel quartier, de telle commune, à laquelle il se prépare. Amen. Donc, mais aussi prévenez les taux afin qu'ils puissent préparer des prières de combat, des prières de guérison ou des enseignements. Amen. Voilà, donc vous allez gérer ça. D'accord. Sur ceci, il y a plus autre chose. Voilà, l'homme de Dieu. Oui, vas-y. Bon, papa, moi, je voulais dire que tout le monde est sujet. Je ne suis pas venu à la délivrance trop beaucoup, mais dans des temps quand je viens, parce que papa l'a dit toujours, il nous dit quand on vient ici, il faudrait qu'on soit disposé. Voilà, pour faire la délivrance de la personne qui est devant nous. Pour faire se balader, le travail inutile, la désordre, il va arrêter ça. Et ce que moi je vais dire, c'est que quand je viens vers la délivrance, quand je vois le papa qui fait la délivrance, si le papa arrêtait devant la personne, il dit feu, c'est là maintenant nous tous à dire feu. Mais je constate que maintenant, dès que quand on commence à faire la délivrance, il y a un peu de mélange. Voilà. Quand celui-là dit feu, celui-là dit tu bois le sang. Quand celui-là dit fala, celui-là dit tu bois l'eau. Quand ça aménage, il a voulu que. Tout à l'heure, je disais que le fer aiguise le fer. Et vous êtes ici pour servir Dieu, mais aussi vous êtes ici préalablement pour apprendre auprès de vos pères. Amen. Et évidemment, ce que Jacques dit est tellement vrai. Et moi-même, plusieurs fois, je l'ai constaté. Sur le terrain, quand on dit je taille l'ennemi en pièces. Quelqu'un dit, je verse l'eau chaude sur toi. Bon, ça va dans tous les sens. Souvent même, tu es là, tu t'étais, tu te dis, bon, laissons-les faire. Amen. Si vous avez des lieutenants avec vous, c'est-à-dire des pères dans la foi, qui orientent la prière de combat sur tel côté, suivez-le. S'il dit, j'invoque le feu du Saint-Esprit, vous tous aussi invoquez le feu. Mais on ne peut pas invoquer le feu pendant que quelqu'un invoque l'eau pour noyer le démon. Amen. Ça fait cacophonie. Amen. Donc, apprenez. Et aussi, Docteur Lee a ouvert une parenthèse tout à l'heure. Vous avez la parole de Dieu qui est avec vous. Méditez-la profondément. Dans la parole de Dieu, en dehors des commandements et des préceptes de Dieu, il y a les clés de combat. Il y a les techniques de combat.
Alléluia, qui sont incroyables. Amen. Plusieurs passages de la Bible sont des techniques de combat contre le royaume des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Je parlerai des psaumes, je parlerai du livre d'Ésaïe, du livre d'Ézéchiel, du livre de Job, du livre de Jonas. Amen. Dans le livre de Genèse, il y a plusieurs chapitres de combat. Donc, étudiez-les. Et puis, venez les appliquer sur les démons. Vous allez voir l'effet que ça aura. Évidemment, ça ne peut avoir effet que si vous aussi, vous avez une vie de consécration. Sinon, si tu n'as pas de vie de consécration, que tu viens, tu donnes un verset, les démons même vont rire. Amen. Parce que ce qui va faire péter les démons, c'est évidemment la vie de consécration que vous avez et évidemment la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. J'entends par consécration, vie de jeûne, vie de méditation de la parole de Dieu, évangélisation. Amen. Alléluia. Vous allez voir que si vous appliquez ces petites recettes-là, ça va donner un cocktail Molotov incroyable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. L'apôtre Jean va faire la prière de la fin. Amen. Et puis on va. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix. Je vous dis merci à notre Père qui est venu sur. Amen. Parce qu'on se joue, il a utilisé encore tout tes sens pour glorifier son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Il a utilisé tes mains, ta bouche, tes yeux, tout ce qui est en toi pour glorifier son Saint-Nom. Et c'est pas en reconnaissant que tu vas bénir son nom. Élevons la voix. Et disons merci à ce que Jésus a apporté en conscience chacun de nous. Béni soit le nom de Dieu. Merci notre Père. Je dis merci. Sois élevé, notre Dieu de mon roi. Béni, je dis merci de m'avoir expliqué pour nous. Béni, je dis merci de m'avoir expliqué pour nous. Béni, je te rends toute la gloire à toi. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton équipe. Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi ton équipe. Moi, je dis merci d'avoir fait de moi ton équipe. Tu es le nom de combat. Je te bénis, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Je suis merci, papa. Mon âme de nous. Mon âme d'Adam. Mon âme de nous. 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 Merci le Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier merci encore au Seigneur Jésus. De ce qui n'a pas permis qu'aucun incident mauvais arrive pendant la délivrance. Mais lui-même, il s'est porté garant durant toute cette délivrance. Et il a honoré son nom. Et pendant ce combat, en réalité, ce n'est pas toi qui as combattu. Mais c'est le Saint-Esprit qui a combattu. Amen. Et c'est pourquoi, en tant qu'humain, certainement, une flèche t'a été lancée. Certainement, il a une petite porte d'ouverture. Mais tu vas demander à l'Éternel d'envoyer son sang afin de laver ton corps, de laver ton âme, de laver ton esprit, de laver ton cœur, de te purer de toutes ces choses-là. Au nom de Jésus que de Nazareth. Au nom de Jésus. Papa. Oui, je prie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Certainement, nous avons reçu des flèches, papa. Ça que nous le rendons compte. Oui, c'est pourquoi nous viens de nous là. Oui, c'est la foi de notre Dieu jusqu'à ma terre, papa. Je vais laver mon sang. Je vais laver mon corps avec ton sang. Je vais laver mon âme avec ton sang. Je vais laver mon esprit avec ton sang. Que mon être soit envoyé de ton sang. Que mon être soit envoyé de ton sang. Seigneur, que mon être soit envoyé de ton sang. Que je me sois lavé du sang de Jésus. Que je sois lavé du sang de Jésus. Afin que toute flèche qui était lancée sur moi. Je vois ton sang. Je vois ton sang.
Je me lave avec le sang de l'agneau. Certainement, à cause de ce que l'Éternel a exercé tes mains au combat et dans la bataille, l'ennemi n'est pas content. Il va se lever contre ta maison. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel de te précéder afin de barricader toute ta maison et toute ta famille par son feu ardent. Au nom de Jésus. À l'Éternel des armées. Non seulement tu vas croire spirituellement, d'expérience en expérience avec Jésus, mais tu vas le dire comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Tu vas dire à l'Éternel d'augmenter ta foi. Amen. Dans tous les domaines de ta vie spirituelle. Amen. Au nom de Jésus, plus de Seigneur, augmente ma foi. Je vais dire à l'Éternel, les capacités, les dons qu'il t'a donné, le don aujourd'hui l'a utilisé pour sa gloire. Tu vas dire à l'Éternel de te recharger. Tu vas dire à l'Éternel de te recharger. Et que le don qu'il a pris en toi pour glorifier son nom, qu'il vienne recharger cela en toi. Avant que tu sortes de ce lieu, élève là-bas le nom de Jésus. Je me remplis encore de toi.
Tu me remplis encore les dents. Tu me remplis les dents feu. Tu me remplis les dents feu. Tu me remplis les dents feu. Amen. Éternel, je bénis ton nom, je rends toute gloire. Alléluia. Merci pour ce moment que tu as permis notre Père, notre Dieu. Gloire à Jésus. Comment un Dieu si grand, si immense, amen, un Dieu si vaste, amen, a pu penser à nous qui ne sommes que des moindres, éternel des âmes. Éternel, voici, tu nous as tirés de nos différentes familles, amen, afin de faire de nous, Seigneur, ce que toi-même tu veux, éternel. Amen. Tu as dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Amen. Parce qu'un ami, il sait ce que fait son ami. Amen. Éternel, nous sommes tes amis, Père éternel des âmes. C'est pourquoi je prie, Seigneur, en vue de ce que tu as dit de chacun de nous pour glorifier ton nom, Papa, je prie, Seigneur, que la bénédiction qui est rattachée à ce que nous avons fait aujourd'hui soit accordée à tout un chacun de nous. Non, 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 non. Que tes grâces qui sont rattachées à ce que nous avons fait aujourd'hui soient accordées à tout un chacun de nous. Non, non, non. Que tes faveurs qui sont rattachées à ce que nous avons fait aujourd'hui soient accordées à tout un chacun de nous. Maintenant, je prie que tu fasses de chacun de nous de bénédiction pour nos différentes familles. Papa, je prie que tu fasses une source de bénédiction pour le monde entier. Papa, je prie que tu fasses une source de bénédiction pour ce maître bon dans le monde de toi. Éternel, que ta bénédiction, qui n'est suivie d'aucun chagrin, se répand sur chacun de nos abondances. Se répand sur chacun de nos abondances. Se répand sur chacun de nos abondances. Et je prie que tu nous communiques davantage ton amour dans nos cœurs. Je prie que tu nous communiques davantage ton amour, Seigneur. Et que tu sois être une véritable famille, comme les apôtres étaient, comme les disciples étaient. Et se paierait des prodiges, des miracles au milieu d'eux. Papa, permets de cette famille que tu veux. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de bénir tout chacun de nous. Merci de te révéler encore et encore chacun de nous. Et merci de nous permettre d'aller dans une autre dimension avec toi. Merci de nous donner la force qui vient de toi, Seigneur. Afin que lorsque nous serons fatigués et que nous puissions crier à toi pour nous recharger. Afin que lorsque nous serons fatigués, afin que nous puissions crier à toi pour que tu puisses donner la force nécessaire. Car Paul a dit, lorsqu'ils se sont faibles, c'est alors qu'ils le font en Jésus-Christ. Éternel, nous aussi nous sommes forts en ton nom. 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 C'est pourquoi nous prions Abba Père. 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 Papa, sur la base de ces paroles, comme tu le faisais pour ton peuple Israël, le matin tu les conduisais par ta colonne de nuée, et chaque soir tu les conduisais par ta colonne de feu. Éternel, je prie que tu accompagnes chacun de nous par ta colonne de nuée, par ta colonne de feu. Papa, précède-nous, toi qui es le lion conquérant. Défense-nous, Seigneur. Sois le conducteur et le guide de tout un chacun de nous, jusqu'à ce que chacun arrive à bon port au nom de Jésus. Éternel, merci de nous barricader. Et qu'en toutes choses, la gloire, la puissance te reviennent pour des saints des saints. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je t'aime de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour de Jésus. Caméraman, caméraman. Non, il y avait une seule, l'autre dans un lieu, il y a les bons de caméraman. Les garçons.
Je t'aime dans l'amour de Christ. Je t'aime dans l'amour de Christ. Joseph. Allez, c'est pour moi. Shalom à toi. Merci d'être venu. Jacques, je laisse être venu. C'est ton épouse. Elle est à la maison d'abord. On va ensemble, on va aller tout de suite de la dernière déjà. Samedi, on va encore plus pourquoi il peut retourner dans les gens qui va faire ce samedi-là. Et la prochaine, tu vas donner tout ton témoignage. Comment tu détruis les églises? Comment tu détruis la vie des pasteurs? Comment tu détruis la vie des enfants de Dieu? Tout ça, tu vas tout faire. Tu vas le livrer ça. Tu vas le garder pour moi. Donc je disais, Voilà, c'est une dot en choco, donc voilà. On a, allons à l'extérieur. Allez, on va avec tout le monde la honte. Si on peut parler de 5 personnes qui disent Jésus. Alléluia. Il faut présenter la chaudière. Présenter la chaudière, les bureaux et tout ça. Présenter chaque bureau. Jésus. Alléluia. Alléluia, voici les différents bureaux. La chaudière, ici c'est l'extrême. Alléluia. Ici, lorsque le démon, une personne qui est possédée, rentre ici, l'esprit du pas. Ici, l'esprit rentre ici en même temps, l'esprit se manifeste chap. Alléluia, gloire à Jésus. Le bureau, la chaudière numéro 1. Voici. Voici la chaudière numéro 2. Ici, les démons ne résistent pas. Ici, les démons ne résistent pas. Ici, les démons ne résistent pas. Ici, rapidement, se manifeste. Et ce qu'il doit faire, c'est de quitter les lieux. Et ici, c'est la chaudière, bien aimé. Ici, lorsque l'esprit rentre ici, il dit, qu'est-ce qui m'envoie ici?